Salut YouTube, c'est la suite de Hogwarts Legacy, on se balade, je sais pas trop ce qu'on va faire, je continue la quête principale, si je me balade, je sais pas. Je vais reprendre le jeu en main déjà, ça fait 2 jours, j'ai oublié. Vive les poufsouffleurs. Nul les poufsouffleurs. Je change une lettre, ça fait pouf choufleur. Et les choufleurs, personne aime ça, donc voilà. C'est QFD. Alors où on est là? La culpabilité est totalement indiquée, le nombre de collectifs par zone, du coup ça va en vrai. Il me semblait ouais que t'avais dit... Bon après ça reste chiant hein, mais... mais quand même. Je suis jamais allé là du coup. Qu'est-ce que c'est? Y'a pas marqué les quêtes secondaires et tout aussi? J'ai pas vraiment de quêtes secondaires quoi. Bon, en tout cas, c'est cool, comme ça je débloque un peu les zones du château et voilà quoi. Revelio. T'es qui toi? T'es une étudiante ou t'es la prof? T'es une étudiante. Cher professeur Bulbise, très gentil à vous, vous vous êtes souvenu que sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, et pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Ce que cultiver semble être de qualité supérieure, des Lewisi aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lenora vous admire tant, de même que tous vos élèves, j'en suis sûr, avec toutes nos affections, Eleanor Everlace. Let's go. C'est la prof. Elle est jeune, elle peut pas être prof. Bah, elle avait une tête de PNJ élève. Enfin, Midoba qui me backseat, ouais, encore. Il me dit que c'est la prof alors que j'en avais aucune idée, quoi. Mais bon, bref, let's go, quoi. C'est Mimir Doba, il peut pas s'en empêcher, il est là, quoi. Ah, j'aurais pu le découvrir plus tard, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, quoi. Bref. Je vais faire une dépression. Hein. Rebellion. Oh! Ça a fait ding! Je sais pas où c'est. À gauche, ça a fait ding. Ah, mais c'est juste là, en fait. Fruit orange qui ressemble à un radis flotte à l'envers. C'est un conte qui l'accepte. Elle aide à accepter l'ordinaire, ok. Après, il y a des profs jeunes, hein, aussi, hein. C'est pas moi, c'est mon clavier. C'est le clavier, il tape tout seul! Ça, bro? Oh, ça descend. Revelio. Où on va? Le coffre! Vas-y, je peux pas les ouvrir ces coffres. Je suis en train d'explorer pour rien là. Je suppose que, ouais, bah, de toute façon, là, que ce soit Max, Aleph ou Midoba, vous avez joué au jeu en plus. J'appuie sur ma gâchette sans faire exprès et je lance des sorts. Oh, on peut nager. Let's go. J'aime bien ton chapeau, je dois dire. J'aime bien mon chapeau aussi. J'aime pas trop mon manteau, mais j'aime bien le chapeau. J'aime beaucoup mes lunettes aussi, surtout. Hein. Étant donné que mon perso a le regard vide, les lunettes ça marche bien. T'as pas mal avancé? Ouais, normal hein. J'ai pas été voir la tour d'astronomie. Level 28, j'ai un peu joué pas mal. Ouais. Alors ça va. Tu zones de fou. T'avances pas du coup, t'explores. Il va nous faire une Elden Ring, Aleph. Level 20 perso. Oh ça va. Et là c'est les sous-sols, non? Ça me dit quelque chose en vrai.
Là, c'était, oui, c'était le truc. En vrai, je pense que je vais avancer un peu l'histoire. Parce que là, j'aimerais bien débloquer des trucs et tout, et on verra après. À moins que je trouve des petites portes. Voilà. Mec, vous allez être plus loin que moi dans l'histoire. Bah, vu que moi, j'ai quasiment que exploré, je suis quasi level 10. Je pense que l'exploration, ça augmente vite. Hein. Oh, ça charge. La porte, elle charge. Du coup, la version PC, elle est bien optimisée, Aleph, ça va? Tintin. Oh, non, c'est un chat. S'en fout. Il y a pas vraiment de manière générale, ça va, mais il y a des moments aussi où je lag pour rien. Ok. Rebellio. Elden Ring style. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Mais c'est elle qui parle. Il a la même salle que les défenses contre les forces du mal, lui. Ah, il y a une note. Sœur Fig, comme ça mon emploi du temps n'est pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard en 5e année, rien que cela. Sœur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Voilà le professeur Weasley pour en savoir plus, professeur Phineas Nigelus Black, directeur. Ouais, plus je fais Revelio, plus je pète un plomb. Ça finit par revenir à normal, mais c'est chelou. Ouais, parce que le jeu doit peut-être charger des trucs dans des zones qu'il a pas encore tout à fait chargées, et du coup ça fait péter un câble au jeu quand tu fais Revelio. Y a moyen, hein. Il y a beaucoup de quêtes secondaires, ça a l'air. Apparemment, c'est la maison Gryffondor qui a le plus de quêtes secondaires en plus. Donc, let's go. On va s'éclataxe. Bonsoir, monsieur. Professeur. Ouais, content Max. De vous Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisiez-vous? Ouais, s'il y a des quêtes par maison, Max, de ce que j'ai cru comprendre. Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était à Préolard avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. J'y étais. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Je vais affûter mes talents en défense. Action. D'accord.
Ma gâchette, en fait, elle est trop sensible. Revelio. Je reviendrai plus tard. Ça peut se dérouler différemment sur la maison, c'est tout. Moi, j'ai lu qu'il y avait des différences ouais, de nombre de quêtes secondaires en fonction de la maison, et que c'était Gryffondor qui en avait le plus, et que c'était Serre d'Aigle qui en avait le moins. Je crois que c'est ça. Hein. Après, j'ai pas plus de détails que ça. Hein. Je sais pas pourquoi, comment ça se passe factuellement, je sais pas. Qu'est-ce que vous mijotez ? Revelio. Ça doit pas être énormément plus sur tous les trucs putaclic d'articles qu'on trouve sur le net pour le moment. Ok, je sais pas, je t'avoue, je suis pas renseigné du coup. Moi je vous dis ça, c'est l'info que j'ai lu. Hein. Je l'ai lu plusieurs fois, c'est pour ça que. What the fuck, mais. Qui fait des potions dans les chiottes ? Personne ? Ne m'engueulez pas, hein, moi je fais que le relais. Hein. Revelio. En vrai, j'ai pas mal exploré cette zone déjà. Mais c'est à droite de l'autre côté. J'en ai marre de faire des sorts. Est bizarre cette manette. Revelio. C'est vrai que c'est un peu la foire au spam de Revelio hein, quand même ce jeu. Tu dois m'apprendre des choses. Ah, j'ai quelques petites choses à vous dire. Putain, elle est vraiment trop sensible, ma gâchette. Revelio. Squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal est en réalité un trophée récupéré par le professeur Eckhart après qu'elle a démantelé elle seule le plus grand réseau de braconnage du pays de Galles pendant un saut au braconnage de 1878. Les trucs qui restent pas visibles longtemps, genre les pages là. Ouais, les pages, c'est relou. Après, tu les vois de loin, sans Revelio, elles apparaissent un peu de loin. Mais globalement, le spam, il y a beaucoup de trucs et faut spammer Revelio, quoi. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et lorsque cela est nécessaire... à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. Pouvoir faire brûler des élèves, let's go. Pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Bon, je commence déjà à voir la répétitivité des tâches pour apprendre un sort et tout, quoi. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Seulement, il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Vas-y, t'es qui toi? Je te connais. Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Et Serre d'Aigle, c'est Aleph? Je suis désolé de l'apprendre. Quel dommage que les autres élèves n'aient pas été accueillants. C'est gentil. J'imagine qu'il y a quelques élèves sympathiques. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. T'es bizarre, Zenobia, quand même.
Des baveboules, intéressant. Des baveboules ? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Les coulelles. Juste parce qu'ils se font asperger. C'est ta meilleure pote ? De baveboules. C'est leur faute. Ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes baveboules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. Je croyais qu'on allait jouer aux baveboules, mais finalement, c'est du collectible. Let's go ! C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes baveboules depuis leur cachette ? Ouais. Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes baveboules en hauteur a bien dû y monter. T'as pas d'amis ? Tu n'as aucun ami à l'école ? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. C'est marrant parce qu'ils doivent être quoi ? 2000, 3000 dans Poudlard ? Enfin, je sais pas combien ils sont quoi, mais ils sont beaucoup. Et on croise exactement les mêmes personnes. Je vais voir ce que je peux faire. C'est où ça ? Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes baveboules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Trouver les baveboules. Vas-y, j'en ai marre d'appuyer sur cette gâchette là. Ça me guide vers les baveboules ça ou pas ? J'ai l'impression. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. T'as pas vu une baveboule, toi ? Ça ressemble à quoi, une baveboule, déjà ? Ah, c'est ça, là-haut ? Action ! C'est l'une des baveboules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Ok. Alors, il y a pas tant d'années, c'est quelques centaines max. Néanmoins, on devrait quand même croiser plus de gens dans les couloirs. Oui, c'est ça que je voulais dire, quoi. Mais vas-y, la gâchette, là ! Ma manette, elle déconne. La gâchette, elle est trop sensible. Je l'ai trop martelé. C'est Forspoken, ça. C'est la faute à Forspoken, ça. Hashtag baveboule. Et une boule. Ça ressemble à une boule, merci. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Vu. Action. Voyager était incroyable. Vu. Ah mais bon, voilà, elle tombe sur Nati, quoi. Elle est pas de sa maison, elle a pas le même âge. J'en ai marre. Bonne nouvelle, on a un nouveau mannequin sur lequel tu vas pouvoir travailler tes enchaînements de sorts. Et tu pourras participer à la deuxième manche de jeux de magique. Reviens me voir à l'endroit habituel quand tu voudras essayer l'un ou l'autre. Marche, bro. Je suis déjà allé là ? Ah oui, c'est la tour Sardaigle. Révélio. Ouais, c'est la tour Sardaigle. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ok. Pas dangereux ces escaliers, c'est ça qui est bien.
Je sais pas quoi penser de cette quête secondaire. Ah mais elle est vraiment très très haut quoi. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action. J'avais pas vu. Quel plaisir de vous revoir. Revelio. J'avais pas vu ça la dernière fois non plus. Mettre la coupe des 4 maisons, les trophées de Quidditch et les trophées obtenus lors des duels ainsi que d'autres récompenses décernées à l'école. Les élèves qui s'écartent du droit chemin peuvent être vus en train de polir les trophées à la main pour leur rappeler leur valeur du travail. Incroyable. Ok, j'ai tout. C'est la dernière bave-boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Revelio. Je suis ce qu'on appelle un énorme... un énorme goat, quoi. Revelio. J'ai envie d'aller là, là. Mais c'est niveau 1, dommage. C'est quand qu'on apprend le sort pour péter les serrures? On va voyager. Hein. C'est pas la question, mais de votre réponse. C'est une question rhétorique, répondez pas. Effectivement, j'ai oublié de poser. Je suis désolé. Je me parle tout seul. La 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 la. Tiens, tes bave-boules là. J'espère que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes bave-boules. C'est fait, bro. Bonjour, enfin, 6. J'ai retrouvé toutes tes bave-boules. Vraiment? Je ne pensais pas que c'était possible. Comment tu as fait? Du bon sens et quelque sort très simple. Eh bien, je peux récupérer mes bave-boules. Tiens, prends. Bien sûr, elles sont à toi après tout. Oh, c'est génial! Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré mes bave-boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Excellente idée. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger, et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Tu veux pas m'inviter dans la salle commune Sardaigle? Salut, vraiment, ça pop le HUD comme un jeu mobile. Hein. On en discutait déjà la dernière fois, mais... C'est ouf que ce soit à ce point. Quel troll. Non, c'est vrai, hein, je le pense vraiment. Chaque fois que tu remplis un truc, t'as des petites jauges, t'as des petits compteurs et tout, c'est vraiment ça. Hein. J'essaie vraiment pas de troller ou trucs comme ça. Comment ça, je ne suis rien? Il est fou, lui. Poudlard Impact, le nouveau jeu Android, c'est un peu ça. Rebellion. Toilette hantée, cette toilette particulière serait l'un des endroits préférés de Peace pour faire des farces. Il vaut mieux les éviter à moins d'être dans une situation désespérée. Et c'est là où on l'avait rencontré tout à l'heure, pour la dernière fois. Lumos. Leviosa. Reparo. Aucun des sorts.
Arrête de faire ça. Tu veux refaire un combat ? Oui. Bien. Voyons qui se présente. Bonsoir. Personne ne me fait peur dans cette école. Je sais, Sébastien, je sais. Je peux utiliser le mannequin ? Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Apprends-moi les combos. Tu veux essayer ? Oui. Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Lancer Axio, suit de 4 attaques consécutives. Axio. Bien. Au travail. En fait, je crois que ma gâchette R2, elle a un peu... Le mécanisme, c'est un peu... ramolli. Et du coup, à peine j'appuie, ça descend. Il n'y a plus de résistance sur la gâchette. Il n'y a plus assez de résistance, c'est marrant. Levioso suit de 4 attaques. Ouais, premier degré, c'est vrai. Il n'y a plus de résistance sur la manette par rapport à ma touche L2. Trop marrant. Les enfin, c'est pas marrant parce que du coup... Ah, faut faire ça, j'avais pas vu. Les 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Très bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Durée de vie de manette PlayStation, 2 ans. Vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Je suis pas level 10 là ? Ça dégoûte. Bonjour Lucan, est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Oui. Oui, allons-y. Parfait. Je suis obligé, c'est ma prof qui m'a dit. Avec Nati ? Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. C'est ma besta, Nati. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolé d'avance. Ils sont 3 ? C'est triché ? Des boucliers violets à l'aide de la force, comme le sortilège Axio. Rouge R3 vous permet de tuer les ennemis sans viser. J'aurai de cible lors de mode verrouillage, ok. Axio. Levioso. The fuck? Axio. Levioso. Action. Action. Hector, ça dégage. Levioso. Triangle. Action. Là, je prends trop cher. Arrêtez. Levioso. Action. OMG. C'est casse-couille les combats quand même, hein. J'ai oublié une touche pour les combats, je pense. La touche roulade. Bravo. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner.
ou au moins de survivre pour ton prochain combat. C'est vrai qu'il y a la touche bouclier, il y a triangle aussi, j'avais oublié la touche bouclier. J'avais oublié. Celui qui remporte la prochaine manche, Protego. Tous mes devoirs sont finis. Putain, c'est vraiment injouable avec cette manette. Je suis pas aidé par la manette, hein. Je dis que je devrais pas dire c'est la faute à la manette, mais en vrai... Je devrais peut-être m'en tenir aux potions. En vrai, c'est la faute à la manette, hein. Ce guide du sorcier est bien pratique. J'ai mis quelle difficulté ? Non, c'est difficile, là. C'est le mode le plus dur. C'est pas très dur, hein. Je joue mal et ça passe, donc... Je prenais tellement cher dans ce combat. J'ai un très bon équipement à l'EF aussi. J'ai une bonne armure là pour le level où je suis, je pense. Par où? Par là, non? Apprends-moi le feu. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas? Oui! J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecate. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. En vrai, il est moche, hein, on peut le brûler celui-là. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Wingardium Leviosa! Concentrez-vous. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Fermement. J'ai appris Incendio. Si vous avez un de sortilège pour équiper Incendio à votre ensemble de sorts. Pour ça, vous devez échanger avec un autre sortilège, ok. Très bien. Pour utiliser un sortilège ou objet, vous devez d'abord l'ajouter à votre ensemble de sorts, ajouter Incendio. Déplacez votre curseur au-dessus d'Incendio, maintenez R2 pour afficher la façade. Vous voudriez le placer. Je sais pas, moi. À la place de Lumos. Mais on n'a pas plusieurs roues de sort, ça irait tellement plus vite. Bizarre. Faut transpoque pour ne plus que ce soit moche. Mais là, c'est le mieux que j'ai. J'ai que des habits moches, sinon. C'est la mieux, hein. Malheureusement, mis devant. Arrête, putain. En vrai, il va falloir que je change de manette. Incendio. J'ai cramé. Aïe. Continuez. En essayant de ne pas vous brûler. Ouais, je vais le faire. C'est moi où la nuit est tombée. En route pour de nouvelles aventures ? Ça fait peur. Ok, si on retourne voir le professeur Fig du coup. On a l'air de se balader en mange-mort dans Poudlard. Ouais, pas envie de me balader en mange-mort, moi. Après, à cette époque-là, les mange-morts, ils savaient pas ce que c'était, donc... Donc c'est pas si gênant, en vrai, de se balader en mange-mort, là. Vas-y, j'en ai marre d'appuyer sur cette gâchette. Je vais brûler le professeur Fig. Je l'attends.
vous voilà. Ah, parce que c'était la nuit et il se barrait. J'aurais dû explorer un peu la nuit, du coup. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Je vais essayer. Nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Allons à Babylio. Si nous continuions. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi. Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Oh, l'ambiance est niquée. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Je parle à Sébastien le Serpentard. Et si j'ai pas envie ? Vas-y. Ok, attendez. Bien mieux. OMG ? C'est bon, j'appuie plus. Heureusement que j'ai deux manettes. Sinon j'aurais dû aller à la Fnac là. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. C'est la faute à la manette ? C'était littéralement la faute à la manette. C'était la faute à la manette ! Elle est où la quête secondaire là ? Je l'ai vue. Hein. Il y en a deux ? Incroyable. Donnez les quêtes, là. C'est tout en bas. Les deux sont tout en bas. Celle-là, elle est en haut. Ok. Allez, encore en haut. Allez, encore en haut. Je vais monter jusqu'où, comme ça ? Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider. Dis qui, toi ? Bonjour. Tu voulais me parler ? Oui, tout à fait. Je me disais que un tu pouf souffle. Envie de te joindre Max. Moi pour une aventure ? Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil ? On va voir. Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis. Fantastique ! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache meilleur pote à Max. De la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Tu sais pas où commencer ? Et où me conseilles-tu de commencer ? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Ekat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Alors, je sais où c'est, du coup. Comment est-ce qu'on réaffiche le premier repère ?
voyage est incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Ah, un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Comment on réaffiche la carte? Ça marche, Midoba, des bisous. Très bonne journée à toi. Je viendrai voir les toxines plus tard. Comment on fait? On peut pas revoir le truc? La carte au trésor? Comment on fait pour revoir la carte au trésor? Même dans l'onglet quête, ça s'affiche pas. Bizarre. Je peux backseat pour retrouver la carte, ouais. Si je peux revoir la carte, tu sais. Bon, après, c'est là, mais j'aimerais bien voir la carte. Dans mon inventaire. Ah, elles sont là. Non, ça doit être ça, les objets de quête. Ah, ok. Ok, tu descends. Là, il y a ça. Ok, ok, merci. C'est bizarre que quand t'es sur la quête, quand même, ça te propose pas de voir la carte. Les clés du Dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? L'ambiance est quand même chelou. Et du coup, là, faut trouver le tableau bizarre. Cet escalier me semble prometteur. En vrai, ça, c'est quand même bien guidé. On dirait le portrait de la carte. Mais où peut bien se cacher le trésor? C'est marrant parce qu'en fonction d'où tu regardes... ça bouge. Faut tirer. Action. Ah ah, il y avait un passage caché derrière le portrait. C'est stylé quand même. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Il faudrait l'informer, effectivement. Ok, ok, c'est pas mal. Attendez, j'ai pas eu un uniforme cool là. J'ai pas l'uniforme. Vu que je fouille beaucoup trop, j'ai trouvé ce truc-là sans devoir regarder la carte. Non mais pareil, en vrai, je l'aurais trouvé sans... En fait, ça va, c'était assez évident, je me souvenais. En plus, t'as les zones sur la minimap, donc ça va. Mais en fait, genre pour le futur, tu vois, je cherchais où était la carte parce que ça me semblait ahurissant qu'on puisse pas la revoir. Mais c'est pas du tout intuitif. Enfin, en vrai, elle est dans l'inventaire, si ça va, c'est trouvable, mais... c'est bizarre de pas avoir fait un raccourci directement depuis la quête pour ouvrir la carte. Du coup, j'ai récupéré une carte que je peux pas utiliser, c'est ça? Une cape que je peux pas utiliser? C'est ça qui est en train de se passer, là?
Bizarre. Les menus sont pas ouf en vrai. Non. Il y a beaucoup de trucs quoi. Ouais, mais il y a plein de quêtes secondaires en fait là. C'est pas là le plus rapide pour retourner le voir. Ok. Se balader avec le curseur partout, ça trigger. Le curseur, tu veux dire. Les clés du dédale sont de retour. C'est incroyable. Dans le menu ? Ah oui, ça oui. Après, sur PC, tu le déplaces avec la souris, non, donc ça va. Sur manette, avec le stick, c'est lent. C'est easy, hein, mais c'est lent, quoi. Perdre du temps pour rien. Mais il s'est barré, il a changé d'endroit, le bâtard. Tiens. Alors, tu as fait des... Bonjour Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Oh, très ingénieux. La mienne m'a mené au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Je suis sur manette, PC aussi. Pour les menus, chope la souris. Je m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance! Nous avons tous les deux eu de la chance. Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Bien, passons au prochain mystère de Poudlard. Je me demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de Weasley. Depuis quand devrait-on se soucier de l'apparence des autres? Dans le bureau de Weasley? Pas chaud chaud en vrai. Oh, j'ai pas vu. Alors. 2. 0, 1, 2. Quoi? Ça a compté que j'ai appuyé là alors que j'étais devant la porte? Abusé. Tout ça pour un gilet nul. Je suis dégoûté de la vie. Et du coup, je l'ai ma... C'est bon, je peux l'avoir, mon équipement nul. Pourquoi j'ai pas ma cape d'historien, quoi? Ça me rend fou. Après, c'est peut-être juste la collection, c'est la même. Mais je suis un historien. Bon, en vrai, elle est stylée, celle-là. Hein. C'est vraiment un truc de jeu mobile, hein, d'aller dans les menus et de déverrouiller tes trucs. On est vraiment à Mobile Land. J'ai pas débloqué des trucs. Pas trop pourquoi on est dans le menu pour ça. C'est pour bien te montrer l'évolution de tes défis. Non, en vrai, j'ai pas trop pourquoi ils ont fait ça. J'en ai aucune idée. Alors, la quête secondaire qui est là, elle est où? En bas. Bon, c'est cool, on va pouvoir clean quelques quêtes secondaires, quoi. J'ignore si le directeur... Tu as un moment? J'ai besoin de ton aide. Oui. Il paraît que tu voulais me parler? Tout à fait. Je m'appelle Duncan O'Barr. C'est Harry Potter, après le vaccin?
J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. Tu as de la chance. Je suppose que tu as raison, mais je ne sais pas si je le mérite. C'était surtout une question de chance. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que c'est encore un cerf d'aigle. Je croise pas un seul Gryffondor. Personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et le mien a pris la forme d'un d'un boursouf. Ils sont assez effrayants. Oh, ils ont l'air inoffensifs, mais leur langue est vraiment bizarre. Exactement. J'aimerais bien que les autres élèves voient les choses de la même manière. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. Pas très gentil. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Je suis un RP Gryffondor. Il n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais... Les Serdaigles, ils n'arrêtent pas de parler de Poppy. De botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui. Selon la rumeur, le professeur... botanique qui enseignait...